Royal Baby. Pourquoi la naissance du troisième enfant de Kate et William est historique? Grande première, une princesse étrangère qui accouche pour la troisième fois outre-Manche, voilà qui pourrait ne pas passionner les foules. Sauf que la prochaine arrivée dans la famille formée par le duc, la duchesse de Cambridge, et leurs enfants George et Charlotte, bouleverse des règles établies depuis des siècles au sein de la famille royale britannique. L'annonce de qu'enceinte de ton palace est tombée à 14h04 exactement. Son Altesse royale, la duchesse de Cambridge, a donné naissance sans problème à un petit garçon à 11h01. Guillemets, ce troisième bébé est né, la date annoncée du terme, ce 23 avril. C'est un bébé de 3,8 kg qui se porte bien, ainsi que sa maman. La frénésie est à son comble outre-Manche. Deux naissances et un mariage ont attendu de pied ferme Terry Hutt, le plus grand fan de la famille royale britannique, et son costume aux couleurs de l'Union Jack. On attend également la première visite des petits princes à leur nouveau compagnon de route. On attend enfin la sortie des Cambridge au grand complet pour une naissance qui sera aussi historique que celle de l'année de la famille et futur roi. Car même si le nouveau-né est un garçon, la princesse Charlotte conservera tout de même sa quatrième place dans l'ordre d'accession au trône, derrière son grand-père le prince Charles, son père le prince William, et son frère le prince George. Une première dans l'histoire de la royauté outre-Manche qui a aboli, par une loi de 2013, la règle de primogéniture masculine établie en 1701. Voir aussi mariage du prince Harry et Meghan Markle. Tout ce que vous devez savoir sur le déroulé des festivités, le sexe de l'enfant n'a été révélé qu'au moment de la naissance, Kate et William ayant choisi, comme lors des grossesses précédentes, de ne pas le connaître. Le bébé recevra le même titre que ses frères et sœurs, son Altesse royale, le prince ou la princesse. Et sera suivi de près par un autre royal baby, celui de la cousine du prince William, Zara Philippe, enceinte de son deuxième enfant. De quoi occuper un peu plus le service de presse de la famille royale, déjà bien occupé par les préparatifs du mariage du prince Harry et de Meghan Markle. Delphine de Freitas mit à jour, créé, tout savoir sur Royal Baby N degré 3.